Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Surprise and Architect. Oh yeah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en ce dimanche 1er décembre, enfin, bientôt Noël, dans 3 semaines plus précisément, enfin dans 3 semaines c'est les vacances, mais c'est bientôt Noël. Donc, où on s'en était arrêté? Oui, alors on a eu un putain de problème. Enfin, j'avais eu un putain de problème d'électricité, mais vous m'avez gentiment répondu dans les commentaires, en sachant qu'on ne pouvait pas relier deux power stations sur le même circuit. Il fallait les séparer. Mais on a la possibilité d'en mettre, hein, bien sûr. Donc là, ce qu'on va faire, on va séparer les deux circuits. On va utiliser une des power stations uniquement pour le workshop. Et oui, ça consomme cette merde. Et le reste, on va l'utiliser pour la consommation de la prison. Et on va le faire ensemble, puisque comme ça nous fera des choses à faire. Sachant qu'on a deux nouveaux prisonniers encore, ça arrive continuellement pour l'instant, puisque j'ai de la place, hein, je peux stocker 92 prisonniers. Qu'est-ce qu'ils foutent ici là? Bon, ils sont toujours parvenus. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, déjà, sachant que là, ça va alimenter toute la prison. Ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, on sectionne à partir d'ici. D'ici. Voilà. On sectionne là, on relie ici. Alors le truc, c'est qu'il faut pas que ça se barre. Alors si je sectionne là, donc j'ai sectionné ici. Ouais, donc voilà, ici. Hein. Faudrait que ici aussi je sectionne pour qu'on utilise l'autre circuit. Tiens, d'ailleurs on va le relier par ici et celui-là on va le relier comme ceci. Voilà, c'est parfait. Ok, hop, let's go. Voilà, donc comme ça on n'aura plus de problème d'électricité parce que là c'est la merde. Hein. Mais je comprends pas pourquoi ils ont quand même réussi à travailler finalement. Ils ont fait quelques plaques. Ce qui est un petit peu bizarre. Donc c'est parti, on va mettre le temps x3. Attendez, mais c'est moi ou... Ah, mais nous sommes passés en alpha 15! D'accord, j'avais même pas tilté, nous sommes passés en alpha 15. Et c'est peut-être pour ça que ça rame moins là, regardez. C'est plus optimisé. Bon là par contre je filme plus avec Action puisque au final Action là bug plus qu'avec OBS. Donc là je suis retourné sur OBS. Puis ça lag pas du tout. Vous voyez? C'est hyper fluide, c'est tout bonnement nickel. Donc c'est parfait. Bon là faut que vraiment qu'on résolve ce problème de d'électricité parce que là regardez, ils squattent tous sur la cantine. Pourquoi il bouffe à 10 h du soir? Ah oui, effectivement. Oui, parce que c'est dans la prison, il bouffe à 10 h du soir, c'est pas très grave. Résultat, ils squattent tous la cantine. Il va pas tarder à y avoir quelques bastons, à mon avis. Hein. Bon, là, il y en a qui font leur solitary. Ok, bon, alors, est-ce que par contre, je m'en souviens plus. Switch on. Bon, alors là, on va faire ça. Tac, on va rallumer toutes les batteries. Comme ça, on sera prêt pour le grand allumage, hein. Cette fois, on se gourera pas et ça n'arrivera plus, je vous le promets, parce que vous m'avez dit plein d'astuces dans les commentaires, ça me fait très plaisir d'ailleurs, hein. On voit que vous êtes pas mal actifs et que vous aimez quoi, tout simplement. Ça, moi je suis aux anges, hein. Voilà, parce que là en ce moment là, vraiment là je suis à fond là sur le nouveau design, je sais pas si vous voyez, je change toutes les 2 secondes, là je viens de faire une intro, une outro, mais bon j'en suis pas complètement fier, je vais les retravailler, j'ai fait des tests avec des vidéos parce que oui j'ai tourné une vidéo de CitizXL, donc elle sortira bientôt dans la semaine j'espère, si j'arrive à fignoler vraiment comme je veux mon intro et mon outro, mais vous inquiétez pas. Normalement ça devrait le faire, vraiment je bosse pas mal dessus, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps, mais bon. Là faut que j'améliore. Ok, c'est bon. Alors, ici par contre, il va falloir vite qu'ils détruisent ce truc. Pourquoi tu veux pas? Eh ben, détruisez-moi celui-là alors. Voilà. Parce que sinon, ils vont me casser les couilles. Voilà, ça c'est parfait. Là, on a un garde qui a été blessé. Bah tiens, les docteurs, ils vont faire leur boulot. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Aller soigner ce pauvre garde. On a pris la doctoresse d'ailleurs pour ça.
Et j'aimerais bien qu'un jour ils détruisent ces putains de murs là, parce que vraiment ça fait crade. Vous voyez par exemple là, les deux bouts, les quatre bouts de mur. Ici un bout de mur, bon, on va essayer de les détruire. En tout cas, je viens de voir, donc on est passé en alpha 4. Wow. Putain! Ah, ok, d'accord. Oh putain, ça vous a fait 2000$, hein, c'est rentable hein, quand même. Hein. Les plaques, mine de rien. Putain, c'est très rentable, ça me fait plaisir. On va gagner plein de thunes. Ça va être la teuf bientôt, on nagera dans les billets. Bah d'ailleurs, faut que je vois ce qu'elle rapporte. Enfin, ce qu'elle apporte, cette Alpha 15. Elle est sortie le 29 novembre. Ok. Bah, j'irai m'enregistrer sur prisonarchitect.com là. Ouais, pour avoir accès au forum et tout. En tout cas, j'irai voir la vidéo sur Steam qui présente les nouveautés d'ailleurs des mages qui présentent. Ça pourrait être sympa, je pense. Parce que là, à mon avis, bon. À part là, ils ont rien rajouté niveau staff, peut-être niveau bureaucratie. Les dogs, non, non, il n'y a rien. Emergency, non, non plus. Contraband, non plus. Planning, non, ils ont dû corriger quelques bugs, sûrement. Là, il n'y a rien. Les objets, est-ce qu'il y a deux. Ah oui! Ah oui, il y a des nouvelles choses. Alors, voyons ce qu'on a là. Un sofa, un canapé. Et des distributeurs assez sympa ça pour faire des pour améliorer le confort de nos prisonniers. C'est une bonne idée je trouve. On en installera dans la common room. Ça pourrait faire l'affaire. Bon alors est-ce qu'ils nous ont détruit ça là? C'est bon? Ouais, ça m'a l'air bon là. On va pouvoir rallumer. Ok, c'est parfait, on peut rallumer. Faisons un test. Switch on. Ouais, c'est nickel. Et voilà. Ok, c'est fini les problèmes d'électricité. Tac, bah c'est parfait. Voilà, alors je vous remercie pour m'avoir donné l'astuce parce que moi j'étais là, je galère et tout, je comprends rien, machin, c'est la merde. Bon, j'étais un peu con là-dessus, je vous avoue, c'était un peu. C'est vrai que j'ai même pas vraiment réfléchi. Résultat, ça. J'ai fait un peu de la merde, quoi, en gros. On va faire les petites solitaries là. Comme ça sera fait. Bon, en tout cas, voyez notre beau workshop avec le sol en métal du plus bel effet. Franchement, moi j'avoue, c'est beau. Donc là, ils vont installer. Oui, par contre, j'avais embauché la masse de workers. Donc je vais peut-être en vendre un petit peu là. Bon, ça va, on a un budget de 1000. Ok, ça me semble plutôt pas mal. On va rajouter d'autres caméras de sécurité ici, notamment. Ouais, on va le faire. Non, plutôt là. Voilà, c'est parfait ici. On a deux gardes dans le workshop. Niveau garde, ouais, on s'en sort bien. Niveau garde, 19 gardes. Bon, allez, hein, il n'y a pas de raison. On embauche un 20e. Sachant que demain, ouais, non, enfin, pas demain, bientôt là, on aura 8 nouveaux prisonniers de catégorie max. Par contre, je vais peut-être embaucher plus de janitors. Trois janitors en plus. Voilà, ils seront 7. À faire le ménage, parce que moi je veux une prison propre. Regardez-moi ça, il y a du linge qui traîne. Non, mais dirty uniform. Qui a laissé ça? C'est toi, Lutheran? Ils ont des noms. Tom Lutheran. Je sais même pas comment ça se dit. Putain, lui il a 70 ans. Pour crime multiple. Ah ouais, dur. Et il a tiré que 30 ans. Bon, ben mon gars. Toi, t'as que 5 ans, tu vas bientôt tirer, mon petit Eric Bellamy. Bellamy, ah, Bellamy, Bellamy. Muse, Muse. Non, je déconne. Voilà. Ok, les cuisiniers. Putain, mais oh, ça trace. Putain, j'ai l'impression que là, ils ont vraiment optimisé les performances. Parce que regardez, le temps rapide est plus rapide qu'avant, j'ai l'impression. Et voilà, le temps. En fait, le temps 2, il est égal au temps 3 d'il y a de la mage 14, quoi, en gros. Regarde, si je mets un niveau 3, là, c'est ouais, ça passe vraiment vite. Hein. On va mettre en 2. Comme ça, comme ça, voilà. Ça peut le faire, tranquillou. J'ai l'impression qu'ils ont... Ouais. Mis de nouveaux trucs. Alors, lui, il est fatigué, vous avez vu, les gardes. Rest... Ah non! Je sais! C'est pas pour nos prisonniers les nouveaux items!
C'est pour notre personnel. Regardez, il y a écrit tired, resting. Resting. À mon avis, c'est pour leur faire une salle de repos. On va pouvoir leur faire ouais, une petite salle de repos. Ils peuvent se poser tranquillou. Regarde, on va aller tout de suite dans room. Voilà, staff room. Qu'est-ce que j'avais dit? Eh putain, je suis fort, hein, j'ai réussi à le deviner. Bon, en même temps, c'est pas trop compliqué, hein. Donc, on peut leur faire une petite salle de pause. Bah, c'est ce qu'on va faire, écoutez. On va la faire ici, puisque là, regardez-moi ça, là, il y a trop de. Voilà, on va faire une petite salle de tranquillou. Bah, on va mettre un mur. Ici, ça va être le local d'entretien. Voilà, on va mettre une petite porte. Staff door, hein, bien sûr. Eh, il y a une baston. Oh putain, une des premières bastons, les mecs. Ah, bah, ça, c'est. Bah, ça met un peu d'action, en tout cas. Ça, c'est les Iris qui ont foutu le bordel. C'est obligé. C'est obligé, c'est les Iris qui ont foutu la merde. Putain, oh là 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 là. Rentrez chez vous. Enfin, pas chez vous, mais dans vos cellules. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Putain, regardez, ils sont à 3 sur un type. Wow. Attendez, attendez. Alors là, j'espère qu'il n'y a pas trop de blessés. Putain, c'est la merde. C'est la merde. Bon, là, je vais peut-être avoir besoin de docteur en plus. On va embaucher un docteur. Voilà, un docteur en plus. Non, là, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il y a encore des bastons, il y a encore des bastons. C'est où, c'est où? Oh là là, putain. Mais c'est où que ça bastonne là? J'entends un mec qui frappe. Quoi? C'est quoi qui a pété là? Oh. J'ai entendu un bruit bizarre là. Je suis pas rassuré. Pourquoi j'ai entendu une petite explosion là? J'ai un peu peur là tout d'un coup. Je vais mettre des caméras de sécurité. Parce que là, je suis pas. Merde, on peut pas. Il y a trop de batterie. Je peux pas mettre des caméras de sécurité ici. Fuck. Room. Ici donc, staff room. On va leur faire leur salle de repos. Staff room, object. Alors on va leur faire un petit truc douillet, sympa. Avec, voilà, deux. Des canapés. On va leur faire un petit salon cosy. Petit salon cosy. Avec une petite télé, voilà, tranquillou. La petite télé qui fait du bien. Résultat, ils vont tous se ramener ici. Attendez, attendez. Alors, sofa, on va leur mettre un autre fauteuil là. On leur a mis des canapés. On va leur mettre des petites bibliothèques là qui puissent. Puissent lire, et puis on va leur mettre un petit sol sympa là, genre aussi du bois là. Petit sol de bois, ça va être parfait. Voilà, ils vont pouvoir gentiment se reposer. Oui, il n'y a pas d'électricité ici. Ça, c'est fait. Alors attendez, voyons voir. Est-ce que ici, j'ai l'impression qu'ils ont fait de. Et voyez, c'est magnifique, ça rame plus du tout. Le jeu est fluide, 60 images par seconde. Bon, on a eu une putain de baston. Et là, par contre, je suis fier puisqu'on a réussi à nourrir 71% des prisonniers. Oh là, c'est dégueulasse la douche, mon dieu, mon dieu. Ça va pas, ça. Faut que j'embauche des janitors. Hein. On va en embaucher 3 janitors, ils sont 10. On va peut-être staff. Peut-être vendre ouais, quelques personnes parce que là voilà. On va réduire un peu l'effectif histoire de quand même gagner. Enfin, on gagne 1100, ça va là. Mais pourquoi ils se foutent tous dans ce yard là? Mais parce qu'il y a que celui-là, je suis con encore. Je suis con encore. Je veux dire, je suis con parce qu'il n'y en a pas un autre encore pour l'instant. Voilà, les janitors peuvent bosser tranquillou. Je pense qu'on va revenir sur des prisonniers. Ah, auto-saving. Des prisonniers normal risk et on en prendra peut-être des low risk un petit peu après. Bon là c'est la livraison de bouffe. Ah, les prisonniers arrivent par camion interposé tellement ils sont dangereux, tu sais. Ouais les mecs. Il y a plein de gardes qui ont été vraiment blessés. Bah les docteurs, hein, c'est à vous. C'est à vous. J'ai l'impression que là les docteurs ils sont un peu plus autonomes. Voilà, donc toi tu vas les soigner lui. Putain, mais pétez-moi ces murs, ils veulent toujours pas les péter, ça c'est encore buggé. Il nous faut d'autres gardes. D'autres gardes. Pourquoi ils veulent pas les déposer là?
J'ai pris 22 gardes, je suis encore à 1000 de... Mais bon, les gardes c'est très important. Voilà, ouais, il va pas vouloir se barrer si on va avoir la livraison de bouffe. Par contre, faudrait que les prisonniers se bougent un petit peu. Parce que là... Bah, vous voyez là, c'est cool, nos solitaires, elles marchent bien là. Bah, par contre, le truc, je vais vite ramener des médecins parce que là, ça saigne un petit peu de partout. Là, ça a giclé. Ils s'en sont pris des bonnes, hein. Enfin, pas... Non, 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 pas des bonnes. Voilà, non. Enfin, bref, non. Non, non, non. C'était malsain. Des... Oh non! Non! Oh merde! Oh putain, ils ont tué! Non, dans la salle des visites, ils ont tué un visiteur, les mecs, ils sont sérieux, quoi. Ils ont buté un vieux. Dead. Oh, ils sont méchants. Ils ont buté un visiteur. Ah, bah fuck. Valuation. 33 000 dollars. Bon, c'est pas grave, ma prison vaut toujours 400 000. Alors, normalement, l'ambulance. Voilà, l'ambulance arrive. Le corps va pouvoir être évacué. Je vais vite installer des chiens. Ouais, on va faire ça. Là, je vais installer des chiens. Je vais installer des chiens parce que. Là, le crime, ça va plus. Là, depuis qu'on a ramené des personnages. Enfin, des prisonniers high risk, ça va plus là. Hein. On va mettre la masse de chiens, vous allez voir ça. On va mettre de l'herbe. Puisqu'on est. On aime le. Non, du gravier. Non, on va mettre du gravier, tiens. Object. On va mettre la masse de niche. Alors, par contre, dans quel sens? Non, c'est bien dans ce sens-là. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Merde. 3. 2, 3. Ouais, alors là, vous voyez, on va mettre 9 clébards. Voilà, 9 clébards, on va les embaucher tout de suite d'ailleurs. 9 clébards, 9 clébards. Bah, pour l'instant, enfin, on va y aller petit à petit. Alors, 1, 3. Voilà, j'en ai embauché 6 pour l'instant. Voilà, j'ai plus de budget. On va attendre 2-3 jours que. Bon, on va faire passer le temps très vite. Alors, c'est le temps d'aller bosser. Voilà, on va voir si ça marche. Bon, la salle est fonctionnelle. Le linge, c'est nickel aussi. La laverie, les mecs distribuent le linge. Donc, ils se. D'ailleurs, je vais voir dans le régime. Régime, régime. Non, c'est pas dans le régime, c'est dans Needs. Ben voilà. La demande en linge propre a considérablement baissé. On voit qu'ils sont plutôt très satisfaits, hein, les prisonniers. Ils sont plus d'une soixantaine à trouver que bah, le service est très correct, hein. Bon, la food, il y en a certains, ils seront jamais contents. Ouais. Non, mais c'est un très bon investissement, le workshop. Ça vous donne pas mal de fric. Surtout à la... si vous avez beaucoup de matériel comme ça, ils fabriquent la masse de plaques d'immatriculation. Bon, après, faut compter les consommations intermédiaires, bien évidemment, le coût du métal. Mais bon, ça, c'est rien, voyons. C'est rien. Et notre ami, bel ami, qui est ici, purée, mais c'est vraiment encombré, hein. Ah merde, je suis en. Merde, je perds du fric. Ça, c'est pas très bon. Alors, la bouffe. Ouais, ils mangent bien, ils sont crevés là, c'est parce qu'ils bossent, hein. Voyons voir. Combien de personnes on arrive à nourrir? Ouais, 41. Bon, si on arrive à nourrir la moitié déjà, c'est bien. 50%. Je suis 60%. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, là, il faut pas trop qu'ils gueulent. C'est bon. Ah, par contre, je. Mais comment ça se fait que je perds de plus en plus de. Attends, c'est pas normal. J'ai oublié de faire un truc d'ailleurs. Attendez. Déjà, on va mettre des lumières ici. Ah, c'est les chiens qui ronflent? D'accord, ok, les kleps, ils ronflent. On va leur attribuer des patrouilles, parce que c'est vrai que je leur ai absolument pas donné de patrouille. Voilà, on va mettre des chiens là. Une patrouille de chiens qui fera toute l'entrée. Voilà. Jusque là aussi. Une patrouille qui fera ici. Et le reste dans le. Bah, partout, quoi.
Voilà, ça c'est parfait. Voilà, normalement là ça devrait le faire. Ils sont combien? 6? Ouais, non, il n'y a pas assez de chiens. Il n'y a pas assez de chiens. Il va falloir que j'en engage un autre. Mais là, je perds de l'argent. Bon, ils vont pouvoir aller bosser, voilà. Attention les mecs, je vous surveille, hein, si vous faites la moindre connerie. Attention, attention, hein. D'ailleurs, on va voir policier, j'ai jamais vraiment fait gaffe. Alors, on peut... donc, voilà, vous voyez, le menu policier, en gros, c'est vous qui décidez, en gros, de la gravité des peines qu'on inflige aux prisonniers lorsqu'ils font des bêtises. Hein. Ouh, 3000, bah voilà, ça m'a beaucoup rapporté les plaques d'immatriculation. Donc je reviens au menu policy. Donc vous voyez, vous pouvez attribuer des peines plus ou moins élevées en fonction du délit, quoi. Par exemple, destruction, vous voyez, il y a 1 heure de lockdown. C'est quoi lockdown? Solitary. Donc lockdown, c'est dans sa cellule tout seul. Et ou solitary, c'est en cellule d'isolement. Donc pour les destructions, c'est dans ta cellule pendant 2 heures. Mais alors attention, faut faire gaffe parce que si jamais vous les élevez trop. Alors par contre, sell him, sell. C'est quoi him? Search him. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. On peut même demander de fouiller le prisonnier ou même de fouiller la cellule. On peut faire les deux en même temps, c'est sympa ça. Pour les destructions, ouais, faut fouiller le prisonnier. Lockdown pendant 3 heures, ça devrait suffire. Tentative de fuite, ça on va mettre en solitary là pendant 5 heures au moins. On fouille sa cellule. Attaque prisonnier attaqué. Alors j'ai pas trop compris ça. Fouiller, on fouille lui. Solitary pendant 2 heures. Attaquer staff les deux. La solitary pendant 5 heures. Parce qu'on n'attaque pas le staff. Pour les blessures, là pareil, on fouille tout. Non, incident. On fouille. Isolement pendant 2 heures. Found weapons. Alors, ça par contre, c'est on fouille sa cellule. On fouille lui. Solitary pendant 5 heures. Pareil. Found tools, des outils. On fouille sa cellule. Pareil. Là, de toute façon, on fouille tout là. Dans ce cas-là, sauf que là, les armes, c'est plus grave. Là, les outils, bon, voilà, 2 heures, 3 heures. Ouais. Drogue, 4 heures. En solitary et luxuries, lockdown pendant 3 heures. Voilà, ça me semble parfait. Je mets un accent surtout sur les fouiller les prisonniers parce que c'est important, quoi. Ouais, ça évitera que je fasse des lockdowns toutes les 2 minutes, comme vous m'avez dit de le faire, par exemple. Ok, bon, les chiens font leur patrouille, c'est parfait. La prison dort sur ses deux oreilles. C'est nickel tout ça. C'est nickel. Mais que quoi? Le mec. Ah non, d'accord, il y a une lampe qui n'a pas d'électricité. C'est quoi ça? Non, ça, hop. Qui n'a pas d'électricité. J'ai cru que les chiottes n'avaient pas d'électricité. J'étais là, voilà. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ici. On sait jamais, hein. Je vais quand même mettre une caméra de sécurité, les amis, dans la salle de... Putain, j'oublie mes... La salle de repos, voilà. Voilà, comme ça, ils y vont. En fait, c'est complètement con ce que je viens de faire. Parce que... Non, en fait, c'est inutile. Non, c'est inutile. C'est inutile, c'est inutile. Puisque je suis con. Ouais, il va la poser, ce con. Non. Qu'est-ce... Wow, qu'est-ce... Merde, je crois que je l'ai pas fait bugger, quand même. Robert? Bon, écoute, mais là, Foula, c'est pas. Ouais, c'est pas très grave. Va la mettre quand même, hein. C'est pas très grave. Parce que je suis con, en fait. C'est le staff. De toute façon, le staff, on voit où il va. Donc. Putain, mais démolissez-moi ça, là. Bon, on a de nouveaux prisonniers qui arrivent. Il y a des taches de sang, d'ailleurs. Qui grossissent, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je redis d'ailleurs encore, pourquoi ils ne veulent pas évacuer ce monsieur? Là, je ne vois pas. Ah, attendez. Attendez, alors là, non, il n'y a pas d'arbre qui bouche la route. Alors là, par contre, je comprends pas. Il n'y a pas d'arbre qui bouche la route. Pourquoi ils veulent pas l'emmener, lui? Dead, ah si, c'est bon. Bah, au moment où je le dis, hein, il suffit que je le dise et hop, c'est bon. Donc le cadavre est évacué. Hein, c'est Jean-Pierre,
le vieux visiteur. Hein? On se souviendra de toi, que ton âme repose en paix. En même temps que la livraison de bouffe. Normal. Bon. Il aura bien vécu, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, bah là, notre méga. Toutes nos douches sont utilisées, c'est. C'est bien ça. Par contre, faudrait qu'il m'envoie un peu plus. Ah, 14 prisonniers, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait qu'il m'envoie un peu plus de prisonniers. Quoi? What the fuck? Il est vivant! L'ambulance s'est barrée avant lui, c'est quoi ce délire? Le résultat, il le ramène à la morgue. Oh putain, je comprends pas tout. Les visiteurs arrivent. Putain, ils ont des têtes de champions. Surtout elle. Oh, il y a des filles et tout, c'est mignon. Ouvrez la porte, bordel. Alors, on va faire un petit tour du côté du deployment. On va en mettre un ici. Un. Voilà. Ça me semble bien. Trois ici. Parce qu'il y en a qui font rien hein, en attendant. Hein. Ok, 14 prisonniers, c'est pas rien. Il y en a qui vont aller aux visites. On va jeter un coup d'œil parce que. Voilà. Hein. Pourquoi je le vois pas? Pourquoi il a disparu? Le mec a disparu. Par contre, ici aussi, normalement, je voudrais un monsieur, s'il vous plaît. Non. C'est pas ça que je veux. Je voudrais un garde, s'il vous plaît. Pour les caméras de sécurité. Ok, ils sont tous assis là. Bon. Apparemment. Bon, les familles, ça va. Il y a encore du trafic de couverts, je suis sûr. Là, il y a de la contrebande par ici, hein. Surtout dans ce passage-là, en fait, que tu chopes pas mal de trucs. D'ailleurs, on va voir. Il n'y a pas des items un peu là? Non. Attendez, peut-être. Ouais, toujours les mêmes items au final. Un couteau, fourchette, cuillère dans les cuisines, là, dans l'infirmerie de drogue. Pareil, la cigarette, drogue, téléphone, enfin, luxuries. Ouais, bon, ça va, c'est pas très, très, très grave. Danger. Ah, ils ont rajouté des nouvelles options. Danger. Non, ça va. 24 heures. D'accord, on peut. Par tranche. Ah, voilà, ça c'est bien. Par tranche de jour et d'heure. Donc, ça c'est. Shows all contraband confiscated in the last 7 days. Ah, ouais, bah ça c'est quand j'ai fait le shakedown. Là, on peut voir tous les objets qui ont été volés et qui ont été retrouvés justement. Par exemple, là, on peut voir sur cette pilule de drogue. Regardez le chemin qu'elle a fait. Donc, elle a été chopée dans la salle des visites. Smuggled. On peut voir à la fin tour par la cantine, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. Il allait dans les douches, il s'est tapé un petit délire au workshop, ouais pour aller, non solitary, solitary le mec j'ai l'impression. Attendez on va dézoomer, ouais solitary il est revenu et il s'est fait choper dans sa cellule pendant le shakedown. Il cachait ça sous son matelas le petit coquin là, hein hein je l'ai chopé là le petit coquin. Bon voilà ça c'est les dangers, ok. Ça, c'est les items. Pas de problème. C'est parfait. Clone, non, y a rien. Clone planning, y a rien. On arrive à 72, 76 prisonniers. Non, c'est bon. Ah, bah, il y a une autre ambulance. Allez, vous pouvez pas évacuer le corps, là, s'il vous plaît, les mecs? Tu peux aller m'évacuer le corps? S'il te plaît, parce qu'il va pas. Il est où? Il a disparu. Oh fuck. Oh mais il est complètement buggé, il avance tout seul. Jean-Pierre avance tout seul, regarde. Dead. C'est un mort-vivant le mec, il se fait rattraper par l'ambulance, je comprends. Bon ça doit être un petit bug mineur. Bon. Il s'en va vers un monde meilleur, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Et putain, mais regardez-moi ça, ils ont foutu le linge dans les douches, quoi. Ils ont pas honte. Qu'est-ce qu'il faut ici? Ah oui, d'accord, ils veulent des portes. Ils veulent des portes, ils veulent des portes. Des portes. Voilà, c'est parfait. Ici, d'ailleurs. Ah, c'est parfait. Ok, bon bah les amis, on va se laisser là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me suis trop marré, c'était cool. Voilà. Là, ça bug pas, c'est très fluide, ça me plaît. Voilà, donc sinon, je niveau... comment ça s'appelle?
Niveau design, intro et tout ça, je vous tiens au courant, mais bon, voilà. Des séries devraient commencer et revenir. En tout cas, Black and White, je recommence très bientôt. Peut-être cette semaine, qui sait. Je ne sais pas. Voilà, restez à l'affût. Aussi, dernière information. J'ai créé un compte Facebook, un compte Twitter. Et voilà, un compte Facebook et Twitter où je pourrais enfin discuter avec vous. Autrement que par l'intermédiaire de commentaires, c'est-à-dire là, bah, carrément voilà quoi, par un message sur Facebook ou par tweet, par Twitter, hein. Par contre, je ne sais absolument pas comment me servir de Twitter. Je vois pas trop l'intérêt aussi comparé à Facebook, mais bon, c'est pas grave. On va pas épiloguer là-dessus, mais bon, voilà, j'utilise les deux comme ça. Bah, ça me permet de, voilà, de comment dire, de je sais pas comment dire ça, mais de prendre un maximum de sites quoi, d'être diversifié, voilà, c'est ça. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.